Vocaliga, vocaliga, vocaliga! Bienvenue les rois et les reines. Alors, je voudrais vous aider aujourd'hui à respecter vos rêves, à respecter vos ambitions. Lorsque vous dites « je vais enregistrer mes premières chansons » ou « je vais chanter au mariage de ma cousine » ou bien « je vais ouvrir une chaîne YouTube », faites-le. Faites-le. Mais si vous ne le faites pas, vous envoyez à votre cerveau une information que vous n'êtes pas fiable. Ça va pas. Ça va pas du tout. Donc, apprenez tous les jours à faire un pas tout petit découpé vers vos rêves. Si vous avez envie de chanter au mariage de votre cousine en juillet, eh bien, dès le mois de janvier, vous écrivez sur votre agenda que vous allez chanter pendant 2 heures. Tous les lundis et tous les mercredis, ou bien pendant un quart d'heure. Le mieux, c'est pendant un quart d'heure, ou bien pendant 5 minutes par jour. Vous chantez la chanson 5 minutes par jour, de janvier à juillet, vous y arriverez. Mais si vous arrêtez pas de dire « je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire », après vous allez vous décourager. Faites confiance à vos ambitions. Je fais confiance à mes ambitions, je passe à l'action. Allez! Je fais confiance à mes ambitions, je passe à l'action. Je fais confiance en mes ambitions, je passe à l'action. Je fais confiance en mes ambitions, je passe à l'action. Je fais confiance en mes ambitions, je passe à l'action. Alors le « on », c'est pas toujours facile à prononcer, vous avez remarqué. Je fais confiance en mes ambitions. Là, on a énormément de syllabes qui font appel à une nasalisation qui ne doit pas être trop fermée. Vous n'allez pas me dire « je fais confiance en mes ambitions ». Alors, essayez de prononcer des « on » comme si à l'intérieur vous faisiez un « o » ou bien un « en », un « a ». En ambition et pas ambition. En sortez tout ce qui nasalise, sortez-le en ouvert. Je fais confiance en mes ambitions, je passe à l'action. Ok, on y va? C'est parti. Je fais confiance en mes ambitions, je passe à l'action. Allez, vous pouvez claquer dans les mains, dans les doigts. Je fais confiance en mes ambitions, je passe à l'action. Je fais confiance en mes ambitions, je passe à l'action. Avec joie, bien sûr. Je fais confiance en mes ambitions, je passe à l'action. Je passe à l'action.
croiser les rênes, c'est vraiment important, ce que je vous disais au début. Et puis sachez que quoi qu'il vous arrive, quel que soit le handicap que vous ayez dans votre vie, dans votre tête, dans votre corps, dans votre famille, dans votre environnement, vous pouvez toujours, avec votre intelligence, avec votre détermination, avec votre cœur, vous pouvez toujours y arriver. Arrêtez de dire « oui, mais pour lui, c'est facile ». Tout le monde peut arriver à honorer ses ambitions. Découpez vos objectifs en petits bouts. Choisissez quelque chose qui vous tient tellement à cœur que vous allez envoyer à votre cerveau toutes les informations pour qu'il puisse se mettre en action. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et passez le message. Envoyez-la à quelqu'un qui aura besoin d'entendre ce message-là, d'ouvrir sa voix et de savoir prononcer des vrais « on » et pour pouvoir faire résonner les résonateurs. Ça, pour tous ceux qui ont du mal à chanter fort, cette vocaliste, c'est quand même trop de la balle. Je suis bavarde aujourd'hui. À bientôt les rois et les reines et passez à l'action. Ah oui, encore une chose, passez à l'action, c'est-à-dire faites un stage avec moi, demandez-moi de vous coacher, faites partie d'un de mes programmes. Allez, il faut se bouger là. À bientôt. Vous calégrez, vous calégrez, vous calégrez.